Bonjour Frère Samuel, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, j'en fais donner dit votre chef à la maison qui entre là avec nous. Je dis nous merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci parce que nous décidons de suivre moi. Je dis à la m'bral préparer pour nous un pika poyo. Et pour les qui sont là déjà, moi qui est en la ville, c'est bien important pour nous pas chauder, pour nous pas laver avec de l'eau chaude. Et moi couper toute poitrine tout en petites morceaux, OK? Gars, on commence. Moi mettez un quart de tasse de vinaigre blanc. Moi mettez demi-tasse de citron. Et puis là, moi mettez deux belles cuillères de sel, OK? Deux belles cuillères de sel. Et qu'on y a là, épice moi mettez épice haïtien là-dedans. Ça veut dire là, moi gagne oignon, moi gagne l'ail, moi gagne poireau, moi gagne thym et l'huile et puis moi te mixer. C'est ça qui épice haïtien. M'a mettez deux belles cuillères. On y a là. Moi mettez un petit piment haïtien, un petit piment bouc là. Mais cette fois-ci, me quitter quelques petits graines là-dedans. Regarde. Mes petits graines. Avait dit me quitter un petit grain là-dedans pour que ba mon petit piqué, OK? Moi mettez là-dedans. Et qu'on a là moi mettez l'huile là-dedans. La question de l'huile là, on pas besoin de nous combien et puis nous pral dire nous tal. Moi mettez l'huile. Jusqu'à maintenant, même ça toujours, il n'est pas assez. On va mettre un petit l'huile encore. Et voilà. Ça, c'est correct ça. Tout nous va le comprendre. Qu'on a là, on va brasser. On va rentrer tout assaisonnement là-dedans. C'est parfait ça. Qu'on a là, moi qui est en train de piquer poule là. Oh, je dis poivre. Moi, je mets poivre. On a une fois que mettez poivre là dedans, qu'on a là moi brasser, moi rentrer poivre là dedans. Une fois que nous les bien assaisonné comme ça, moi bien rentrer tout, moi mettez beaucoup de vinaigre, mettez beaucoup de l'huile, moi mettez beaucoup de sel, beaucoup d'épices. Pour qui ça fait me faire ça? Parce que lorsqu'on va le mettre pour la tremper, de supposer faire minimum 3 heures de temps. Ça veut dire vinaigre là qui là dans là il pourrait faire une sorte de cuisson. Cuisson ça c'est une même nous une cuisson de vieillissement. Même gens avec leur pour poisson ou dire ma font poisson séché, son sorte de cuisson lié aussi. OK? Qu'on a la moi mettre pour le tremper pour 3 heures de temps, après ça m'va le retirer, m'a décanter dans liquide salé pour me retirer et puis qu'on a pour mal passer dans farine. Qu'on a la bonne de mettre dans le frigidaire pendant 3 heures de temps ou bien à l'air ambiant. Pendant que pour la à tremper, moi je viens préparer farine que moi vais mettre là-dedans, OK? Dans farine moi pas passer pour la pas oublier pour la moi qui t'en mettons ma con bon assaisonnement qui pourra rentrer en dedans et puis mettre tout avec excédent. Donc farine là regarde, moi juste mettre un petit sel là-dedans. Moi juste mettre un petit poivre comme assaisonnement. Je vais simplement mettre sel là-dedans et puis avec un petit poivre et puis d'attel. Qu'on a pris tant de temps pour finir de couler. Après ça, vous mettez nous. Ok? Et chaque une heure de temps pour venir pour virer pour les A, pour changer au côté. Qu'on a là, on va arriver sur dernier tourné, on va tourner pour là. Ok? Là, nous regardons pour là, pour nous, on va voir changer de couleur. Il vient de sens, c'est pas rouge encore. Ouais? Ça veut dire que c'est ça que les une sorte de cuisson. Qu'on a là le troisième viré qui a dernier viré. On lui dit là, tout épice va rentrer dedans. Là. Bien entré. Là, après ça, on va le décanter. Décanter, ça veut dire retirer la sauce là. Vous comprenez? Retirer la marinade là. On lui dit là, viande manger ta mûrie. Après ça, ouais, ça sent bon. Là, après ça, tourner là. On va commencer à retirer et puis mettre là. La farine. Quand on vient après 3 heures de temps, maintenant on a regardé pour là, nous les gens qui viennent, il là c'est comme si son bagage qui déjà quasiment bien mariné là, ok? Quand on a là, ma peine retire directement, moi déposer la farine là, ok? Bah fait tout d'un coup, m'a fait 3 morceaux, 4 morceaux qui rentrent dans la friteuse. On a maintenant là. Moi bien passer la farine, c'est très important pour nous bien passer.
on a bien absorbé farine moins, on dépose le de côté là. Qu'on a mes friteuses là, qu'on a mis l'huile moins là dedans là, mais 4 morceaux qui sont fin bien passé dans la farine. Là, on a fait friture. C'est très important pour nous contrôler la chaleur. Là. C'est ça qui c'est la base. Là, mettez friteuse là comme genre à un quart. Après, je vais même toucher demi. Ok? Mettez un petit peu plus loin qu'un quart. Qu'on a la déposer là-dedans. Pas oublier. Pour la pas cuire du tout. Simplement mûrir avec sa notaire de vinaigre là. Qu'on a mis 3 morceaux là-dedans. Les poils continuent à cuire là. On va mettre 3 poules trop chargées. Tranquillement. Et puis de temps en temps, on va venir. Et puis on va le montrer nous. Ok? Regarde. C'est vraiment bien coloré. C'est très beau. Mais malgré ça, c'est pas encore cuit. Hein? Regarde. On va mettre un pile volume là-dedans. Ça fait presque 5 minutes là, la grille là. Ok? Moi, quitter le continuer, c'est très important là. Regarde. Ça continue à cuire toujours et puis regarde. On laisse aller. À un moment donné, quand ça va être prêt, nous avons toute bulle, ça n'est pas pour bulle encore. Allez, dis là, c'est de l'eau qui a dégagé là-dedans là. À nous t'arriver sans poudre là, qui a sorti là. Ok? À nous suivre toujours. Qu'on a là, ça fait presque 10 minutes depuis la grille là. Ok? Qu'on a assez prêt parce que nous avons remarqué qu'il n'y a pas fait gros boussole encore. Et puis pas de bruit à faire encore. Regarde. Je vais lever là. Je vais mettre le bol là. Je vais continuer à mettre d'autres. Regarde. C'est parfait ça là. C'est vraiment long après là. C'est long, vraiment long là. C'est quasiment 12 à 15 minutes là. Ok? Qu'on a là, je vais finir tout le reste. Qu'on a nos petits gens chauds. Et puis qu'on a le vini avec, je vais couper pour monter nous. Est-ce qu'elle est cuite ou pas? Ok? Je vais venir avec le talé. Mais là, qu'on est là, c'est fini. C'est pika pour nous. C'est chaud. Regarde ça. Tout ça, c'est bien fait. Regarde. Ça, c'est un zolien. Je n'ai pas besoin de couper pour me faire nouer. Je prends quelques gros morceaux qui prennent plus de temps. Là, nous prenons pilon ça. Ça prend plus de temps. Regarde. C'est parfait ça. C'est excellent. Regarde. C'est bien cuit. Puis c'est bon aussi. Elle dit, moi, je vais manger pour, je vais enlever pour. C'est bon. Le sel est là-dedans. Tout l'assaisonnement est là. C'est vraiment parfait. Ok? Qu'on a bon pour un plus gros l'autre morceau encore. Regarde, dit même. C'est parfait. Regarde. Chair vraiment blanche. Donc, ça veut dire que c'est prêt là. Mais ça prend du temps pour cuire. Lorsque nous mettons un batch dans le four, tout autant la pète, la pouvez monter, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans encore. Et puis, tout sous besoin certain qu'elle est bien cuite. Qu'on aurait nous à mettre une dehors pour prendre un petit couteau, faire une petite incision pour essayer de blanc. Ok? Si vient la blanche, ça veut dire que c'est prêt. Mais, et ça, qui est le pika pour yoa? A vrai dire, moi-même, je fais un autre style, moi-même, qui était le plus trempé, puis longtemps, je fais le bien mariner, aller longtemps là. C'est très bon. Si nous remèlons, nous allons partager la vidéo à moi, puis vous pouvez mettre un petit like pour moi, ok? Moi, je dis nous merci, hein? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré la canne. Moi, je dis nous merci. Au revoir.